Bonjour et bienvenue au concours de blagues numéro 7. On est content de vous retrouver. Regardez, il y a le chat qui est très heureux d'être ici. Et c'est un concours de blagues que j'ai nommé, comme je l'avais dit lors du best-of précédent, le concours de blagues de la dernière chance. Si vous êtes en mesure de le voir sur YouTube, c'est qu'il a été bien, donc... C'est cool, le concept va rester et sera juste repris un peu moins souvent, pas une fois par semaine, mais peut-être une fois toutes les 2, 3, 4 semaines, un truc comme ça, afin de rendre la chose digeste et cool. Le concours de blagues, c'est simple, quelqu'un vient, fait une blague, si c'est drôle, il gagne un sub, si c'est pas drôle, il gagne la honte éternelle et 2, 3 insultes sur sa descendance, tout ce qu'on aime en sub. Est-ce qu'on peut recompter sur la série, le retour de la série? Oui, non, nous allons le découvrir dans un instant. Bonjour! Wesh, bien ou quoi, fumier? Ça va ou quoi? Bien et toi? Tranquillement, petit coco, on est là, hein? Ouais, bah écoute, t'as l'air d'être enjoué. Ah bah moi, je suis là pour faire des blagues, hein, je sais pas, t'as capté, hein? Ouais, bah ouais, j'ai capté. Et du coup, c'est quoi ta blague? Ouais. Alors déjà, moi, ma blague, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas un enculé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, maintenant, si tu me permets ta tentation, je vais faire ma gueule là, t'as capté? Ouais, vas-y. Quand tu largues une femme japonaise, qu'est-ce que tu dois larguer? De bombes. Vas-y, je vais me tuer. On est dans GTRP là. C'est quoi le bail? Mais on commence avec un début bien catastrophique. C'est pas grave. Bonjour. La forme? Tranquille. Ouais, ça va. Alors dis-moi, c'est du ce qui est bleu et qui flotte au large des îles Canaries? Je sais pas. Le petit Grégory en vacances. Oh t'es... Non. Oh, mais laissez-le, le Greg, frère. C'était moi la dernière fois. Ah, c'était toi déjà? Ouais. Il t'a fait quoi, le petit Greg? Tout le temps, il prend cher ici, frère, c'est grave. Bon, vas-y, tu sais quoi, c'est sympa. Allez, vas-y, c'est quoi ton pseudo? Allô, oui, bonjour. Ou allô? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah, franchement, tout va bien. Hein, c'est quoi un rat sans queue? Je sais pas. Un raccourci? Ah, elle est mignonne. Ça va, j'étais à deux doigts de livre, là. Non, elle est mignonne. C'est ok, ça va. Bon, bah, tu m'as mis de bonne humeur. Pas suffisant pour gagner, mais ça va, c'était cool. Merci. Oui, bonjour. Ouais, yo, ça va ou quoi? Tranquille? Ouais, ça va. Bon, là, ça commence à être compliqué de trouver des vannes, hein, mais bon, on essaye de faire avec. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que la différence entre une pute et une panthère? Je sais pas. Est-ce que t'as déjà vu une panthère se trimballer avec un string en peau de pute? Oh, pardon. Non, elle a été forte, elle. Non, elle a été bien. Non, c'est win, monsieur, c'est gagné, bien joué. Allô, oui, bonjour. Qu'est-ce qui est plus marrant que de faire tourner deux enfants sur un tourniquet? En faire tourner trois? Les arrêter avec une pelle. Ouais, non. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Vraiment. On t'entend pas super bien, le frérot. Oh, tu... Vas-y, je vais régler ça. Mais tu parles dans la calculatrice, là? T'es sur téléphone? Ouais. C'est un quoi? Un Wico, mec. Ouais, un Wico, ouais. Lequel? Allô? Oh, Wico man, on t'entend bien! Vas-y, c'est ton moment, frérot. Dis-moi, c'est quoi le point commun entre une bière congelée, une femme enceinte et une pizza brûlée? J'en sais rien. À chaque fois, il y a un homme qui l'a pas sorti au bon moment. Oui, Wico man! Oui! Le héros qu'on méritait! Le héros qu'on méritait! Ouais, les gars, salut! Ouais, ça va ou quoi? Ça va quoi, les gars? Ah, yes, toi. Ouais, ça va super, gros. Bon, les gars, c'est quoi un nain qui arnaque les gens? Ça sais rien. Un imposteur. Ah là, c'est bon, je me barre. Bonjour. C'est une maman qui vient d'accoucher. Mmh. Et donc là, elle prend son enfant dans les bras. Elle le regarde et elle lui dit « Et dire qu'il y a 9 mois, j'ai failli t'avaler. » Bon, oh bah, je me casse alors. Bonne soirée! Allô? Ça va ou quoi? Ouais, tranquille et quoi? Ouais, ça va super, gros. Ah,
Bon bah vas-y, je raconte ma blague. Vas-y, fais-nous rêver. Pourquoi Bruce Lee a toujours les dents propres? Je sais pas. Parce que c'est Bruce Lee dents. Ah, les blagues à la con comme ça, c'est ma drogue. Parce qu'il se brosse les dents. Vas-y, un pseudo, hein, tu veux que je te dise quoi? J'ai rigolé de fou, gros. Bonjour. Ouais, salut, mec. Ça va ou quoi, beau gosse? C'est quoi le légume officiel de l'Allemagne? Si c'est Michael Schumacher, tu peux déjà quitter. Ah bah, salut, hein. Bonjour. C'est quoi le point commun entre une église et un enfant? Je sais pas. Dans les deux cas, c'est le curé qui l'ouvre. Vas-y, salam. Wesh. Wesh. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, t'es venu nous dire quoi aujourd'hui? Ok, t'es prêt? Je suis prêt de fou. Alors, c'est un daron qui parle avec son fils, tu vois. Ouais. Oui, papa, nous les musulmans. Attends. J'ai chaud, désolé. Il fait chaud chez moi, là. Vas-y, tranquille. C'est un daron qui parle avec son fils. Ouais, papa, nous les musulmans, pourquoi on met une gel là-bas? Son père, il lui répond. Voilà, c'est assez léger. Quand on est dans le désert, c'est plus pratique pour marcher. Ensuite, il dit, papa, pourquoi on met des babouches? Son père, il lui répond. Quand on est dans le désert, pour marcher, c'est plus simple, tout ça. Après, il lui dit, papa, pourquoi on met une chéchia? Genre, tu vois, le chapeau. Ouais. Il dit, voilà, pas pour attraper des coups de soleil quand on est dans le désert, tu vois. Après, il lui dit, même papa, on habite à Saint-Denis. Tout... j'ai eu du retard à l'allumage. Je vois, tout le monde dit qu'elle est connue, mais elle est connue d'où? Parce que moi, je l'avais jamais entendue. Tu l'as volée où? La boudère. T'as pas honte? Tu veux choisir qui je m'ouvre? Je vais faire une petite passe D, ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais, on vient de t'envoyer une passe D, j'espère que tu sauras la convertir. Alors ouais, écoute, et en plus, ma mère m'a raconté une blague, elle est ultra simple, je pense que ça peut te plaire. Vas-y. Quelle est la chanteuse préférée des sourds? Aucune idée. Véronique Sanson. Bon, je reviens. Allô? Que dit Pythagore à son chien? J'en sais rien. Va chercher ta laisse. Oh, la blague de matheux. Je l'ai inventé en cours. Oh, la blague de matheux. Ah, elle est mignonne. Et de toute façon, j'ai rigolé un petit peu, ça m'a mis une bonne humeur. Vas-y, donne-moi un pseudo, monsieur. Oui, je suis ça ou quoi? Ouais, tranquille. Non, c'est juste, qu'est-ce qu'a reçu le petit enfant sourd et muet à Noël? Aucune idée. Un cancer. A plus. Mais elle est où la... Non, vas-y, elle est où la blague? Mais... Allô? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va super, gros. Qu'est-ce qu'un lépreux faisant un bras d'honneur? Aucune idée. Une catapulte. Mais c'est quoi? Ah, ça va, elle est pas mal quand même. Une catapulte. Pas assez pour gagner, mais franchement, elle est pas mal. Elle était pas trop mal. Ça va. Mes respects, monsieur. Il y en a un, il s'appelle Blague du siècle. On va voir si monsieur Blague du siècle remplit la longue streak des mecs qui se vendent pour un résultat dramatique. Bonjour, monsieur. Ouais, salut, ça va? Ça va ou quoi, frérot? Ouais, tranquille. C'est ton moment. Ouais, je voulais te dire, qu'est-ce qu'une luciole qui a pris du Viagra? Je sais pas. Bah, c'est un néon. Dans ma tête, j'ai vu le néon zwing comme ça. J'aime bien, petite blague de beauf comme ça. J'ai demandé, j'ai eu. Non, franchement, bien, monsieur, un pseudo. Salut, Zach. Ça va ou quoi? Tranquille? Tranquille. Bon, dis-nous tout. Quelle est la différence entre un footballeur, un handballeur et un pédophile? Aucune idée, monsieur. Le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main et le pédophile marque du trou. Peut-être, oui, non? Alors, ce sera pas suffisant pour gagner, mais j'ai eu peur pendant un moment.
Wesh Zach. Ça va ou quoi mon frérot? Ça va? Ah ça va super gros. Que peut-on lire sur la porte d'un Éthiopien? Je sais pas. En cas d'urgence, glissez malade sous la porte. Bonjour monsieur. Salut Zach. Ça va ou quoi? Bien ou quoi? Ouais ça va. Bon je vais faire rapide. Qu'est-ce qui est chauve, poli et gentil? Qu'est-ce qui est chauve, poli et gentil? Aucune ouais. idée. Bah c'est toi qui vas me débanner du chat, s'il te plaît, tu vas me débanner. On le débanne. Je pense qu'il a gagné. Je pense que t'as gagné ton déban. Ouais. Je pense que tu... Ah merci, c'est gentil. Alors unban, voilà, tu es unban. Vas-y, écris dans le chat, je t'offre le sub avec, comme ça tu as la totale. Eh ben, je pense qu'on peut clôturer le concours de blagues. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Ça m'a redonné de l'espoir dans ce concept. On se retrouve pour un prochain dans 2-3 semaines. On va juste en diminuer la fréquence. On va juste se donner une session bonus, un dernier, un tout dernier. Je crois aux échecs, la dame a plus de mobilité que le roi. Aucune idée. Parce que le plateau ressemble au sol de la cuisine. Ouais, vas-y, allez, vas-y, donne un pseudo, vas-y, allez. Je m'attendais à 80% de chance d'être déçu sur le tout dernier. Et ben franchement, c'est pas mal.